Bonjour à tous et bienvenue dans Minutes de Réflexion. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire afin de recevoir les prochaines Minutes de Réflexion et pense à activer la cloche. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à coucher un pouce en l'air et à partager. Car si ce message t'a fait du bien, il fera sûrement du bien à quelqu'un d'autre. Tu es la réponse au Bonjour à tous et bienvenue dans Minutes de Réflexion. Tenir debout devant tes Goliaths. J'ai des situations dans ma vie où j'ai dû faire face à des défis plus grands que moi. Mais Seigneur, comment vais-je réussir ce challenge? Bon d'accord, j'accepte, mais rassure-moi, tu marches à mes côtés, car c'est du lourd qui se présente devant. Je ne sais même pas par quel bout commencer. David a dû faire face à une situation similaire pour l'honneur de Dieu. Un challenge qu'il relève face à Goliath, ce philistin arrogant qui roulait des mécaniques. David déclare « Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce philistin. » Autrement dit, souviens-toi de ton parcours et comment le Seigneur t'a préservé jusque-là, comment il t'a protégé, comment il t'a interpellé, comment il t'a parlé. Souviens-toi des victoires obtenues jusque-là. Souviens-toi des portes qu'il a fermées, mais aussi des portes qu'il a ouvertes jusque-là. C'est le même Seigneur qui te fera exceller dans ton nouveau défi à relever. Oui, devant ton nouveau challenge. Et tout cela parce qu'il t'aime. C'est dans ta petitesse que Dieu se révèle. Parce que tu es enclin à t'en remettre à lui. Dieu veut réaliser avec toi des choses extraordinaires. Ton parcours de foi te sert à être enraciné et à aller plus loin avec lui. Seulement, souviens-toi que dans ta petitesse, Dieu se bat pour toi. Soyez bénis et que Dieu inspire notre réflexion et notre journée. Amen. Je voudrais te parler, te parler de l'amour, celui qui s'est sacrifié pour toi et moi un jour. Il l'a fait pour nous et il l'a fait pour le monde afin de nous donner une vie meilleure. Chantez sa louange, oui je chante. Chantez sa louange, oui je chante. Chantez sa louange, lui seul est digne de gloire. Chantez sa louange, oui je chante. Chantez sa louange, oui je chante. Chantez sa louange, lui seul est digne de gloire. Je te dis merci. Amen, alléluia. Je te dis merci.
merci. Encore une fois, je te dis merci. Ne cesse jamais de dire merci. Je te dis merci. Les actions de notre Dieu sont tellement extraordinaires. Je te dis merci. Ne cessons jamais de dire merci. Et regardons le vase à moitié plein plutôt qu'à moitié. Encore une fois, merci, merci Seigneur, merci pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Je te dis merci, ouais, ouais. Encore une fois, je te dis merci.